Ma petite pluie de Bamena, mon lapin aquatique. Mathieu, c'est pas parce que la dernière fois, il t'a dit que quand tu plies le visage, tu es belle, que tu as commencé à plier le visage comme si tu étais un membre de la famille de Ndiaye Fipayos. C'est quoi ça? Ok. Je suis donc venue te dire que je coupe les ponts avec Pablo Akoya. Attends, Mathieu, tu es terroriste. Tu coupes les ponts avec moi. On a construit les ponts quand, Mathieu? Donc le petit pont de voulu que les gens de l'Ouest traversent pour aller chez eux là, c'est ça que tu veux couper. Gatchou, tu vas gagner quoi? Blackwell, toi tu es en train de prendre tout avec les blagues. C'est-à-dire tu penses que tout ce qu'on dit, c'est pour rire, c'est pour s'amuser. Je suis en train de te dire que c'est fini entre toi et moi, Blackwell. C'est fini, je suis fatiguée de cette relation. 3 ans, regarde où tu vis. Regarde le luxe dans lequel tu te trouves. Mais tu es incapable de me résoudre des petits problèmes de 15 000, de 20 000, pendant 3 ans. Tu me dis non, patiente, patiente, je patiente depuis 3 ans. C'est bon comme ça là. Ma date d'opération est arrivée. Toi et moi, c'est fini pourquoi? Ngacho, toi et moi, c'est fini pourquoi? Ngacho, je t'ai dit la dernière fois que sois patiente. Ngacho, sache que chaque chose qui arrive de bien dans la vie de quelqu'un arrive avec le temps. Sois patient, continue de croire, ça va arriver. Ngacho, tu sais que nous sommes arrivés ici, on vivait où? À Bilongue. Quand on a décidé de vendre la maison pour que notre oncle aille en Europe, c'est là où la mère vient s'installer ici. Est-ce qu'un jour j'imaginais qu'il pouvait vivre dans une maison comme ça, Ngacho? Mais voici, je vis dans cette maison-ci. Mon oncle m'a dit que ne fais plus rien, reste là, tu attends, je vais te faire partir en Europe. Ngacho, je ne veux pas que demain, quand ça va marcher, que ce soit la première à dire que oh, j'étais là au début, oh, maintenant les hommes sont ingrats et tout. Je ne veux pas seulement ça après. Oh. Les pommes de 15 000, c'est quoi? Quand je vais t'acheter une Range Rover? Justement, si tu n'es pas capable de résoudre un petit truc de 15 000, c'est la Range Rover que tu vas acheter. On ne peut même pas savoir que non, je suis avec quelqu'un dans ma vie. Même le teint, regarde, le teint, on ne sent aucun changement. Tu vois, rien. Au contraire, j'ai même plus noirci même depuis que je suis avec toi. Attends, Ngacho, donc toi tu voulais que je me pose à Dieu? Donc je te donne un teint. Moi, je viens m'opposer au teint là. Oui. Oppose-toi au teint là. Montre au moins que quelqu'un marche sur ton sens que non, Ngacho soit avec quelqu'un. Au donc, contraire. Donc toi, tu voulais que ton teint évolue. Oui, je voulais que mon teint évolue. Je voulais que ça évolue, Blackwell. Tu as compris, non? Donc, en fait, je suis fatiguée. C'est bon, le poids. Attends, le poids. Où pouvez vous faire accorder mon poids? Petite chose. Pour encore vous donner un petit effort de patience. On est mes poids, que tu as travaillé quoi? Depuis 3 ans, donc je vais rester là à attendre. Donc mon frère, mon nom, on a pas écrit patience sur mon front. Il n'y a aucun membre de ma famille qui s'appelle patient. Tu comprends, non? C'est fini! Chic! Attends, tu es sérieuse? Gacho! Tonton! Mon tonton! Mon tonton! C'est bon! Mon neveu! Oh là là! Oh, tu as grandi! Oh là là! Mais quand tu viens, tu ne le dis pas. Mais toi, non, bah écoute, tu sais, j'ai pas eu le temps de vous prévenir. Ça va? Tout le monde va bien? Attends. C'est moi, toi? Moi, c'est moi. Que ceux qui bavardaient au quartier, qu'il est en prison, non, il est bien mort en Europe. Oui. On dit aux gens, croyez sans voir. Ouais, bah écoute, c'est ça, c'est ça. On t'a pas changé. Non, mais c'est moi, c'est bien ton nom. C'est ton Mouna. Oh, Mouna, ça c'est. Depuis Paris. Écoute, tiens le sac, hein, tiens le sac, on va monter à la maison rapidement. Ah, mais toi, t'as pas changé, toi. Ah non, y'a, t'es toujours métisse. Décide, le pied. Ou le bagarre, tu es noir, hein. Mon neveu. Alors, c'est bizarre. Bonjour, Zéla. Bonjour. C'est bizarre. Je vais t'expliquer. Ça va? Ça va. La nouvelle domicile, ça? Oui, elle fait un message. Ah, c'est elle qui fait le ménage. Bah écoutez, à tout à l'heure. Hein. Attends, ouais. C'est ici qu'on se cache. Oh là là. Oh, mais c'est pas mal ça. je m'en doutais bien. Tu as vraiment du goût. Ah, ça, c'est vraiment mon goût. Ici, on goûteur, tonton. Ici, on goûteur. Ouais. Mais bon, il y a quelques petites retouches à faire. Hein. Je vais relooker ça à la comme couleur tu de veux. Paris. Non. Comme tu veux. C'est pas mal. Hein? Non, c'est... Ouais. Ça. Ouais. C'est un peu exactement comme dans les photos, mais en mieux. Non, le problème, c'est que quand on envoie la photo, oui. Bon, tu ne peux pas avoir l'exactitude de l'image. Ouais. C'est tout mieux en direct. Écoute, avec le voyage, je suis
exterminer. Ce qu'on va faire, c'est que... J'imagine les secousses. Oui, les secousses avec les embouteillages. La chaleur. Oh, tu m'étonnes. C'est pour ça que tu gardes toujours ton teint de métisse. Bah, écoute, je vais aller prendre ma douche. Oui, tu montes la chambre. Hein? La chambre là, oui. Oh là là, il fait chaud. Vraiment chaud. Paris, tu sais, j'ai des enfants, j'étais à Londres. Gatou, tu vois, non? Tu vois ce que je te disais, non? Gatou, sois patient, tu vois? Est-ce que c'est vrai qu'il allait venir? Hé, hey, chérie, je te jure que Dieu est merveilleux. Tu sais que quand je voulais partir, là, mon cœur a dit non, rentre. Donc, en fait, Dieu est en train de me parler quand je descendais les escaliers, net au moment où ton oncle est arrivé. Quel Dieu? Gatou, vous partez à l'église, mais vous ne croyez pas la parole du Seigneur. Non, bébé, je crois. Toi, tu t'es comporté ici, là, comme une chrétienne du dimanche. Tu sais que les chrétiens du dimanche, vous allez à l'église catholique, vous commencez à prier Dieu. Quand la bénédiction ne vient pas, 2 ans, vous changez d'église, protestant. Vous commencez à prier, 2 ans, ça ne vient pas. Quand Dieu arrive à l'église catholique, tu es déjà parti au protestant. Dieu arrive au protestant, tu es déjà chez tout le monde de Jéhovah. Tu es chez tout le monde de Jéhovah, tu es maintenant dans le réveil. Il faut être patiente. Gatcho, il faut avoir la conviction de sa foi. Ouais. Tu as vu, non? Oui, bébé, je te jure, la foi m'a attrapé dès qu'il suis descendu de l'escalier, je te jure. Bébé, on est tous ensemble, non? Nous, on va considérer tout ce que j'ai dit là. On n'est pas ensemble, pourquoi? On est ensemble. Tu sais, moi, Gatcho, je t'aime avec le cœur. Je ne t'aime pas avec les paroles, ni avec la bouche. Voilà, mais avant tout, je vais m'excuser par rapport à ce que j'ai dit. Non, il ne faut pas que tu trouves une raison pour dire que wow, c'est fini. Non. C'est pas fini, non? On est ensemble. Mais, tu sais aussi que comme je suis maintenant le petit frère de Bengis, il y a des choses que je ne vais plus faire. Tu comprends, non? Et c'est mieux que j'aille t'accompagner. Parce que tu sais que les Bengis que tu vois là, ils sont très susceptibles. Hein. Oui, hey, fais très attention. Rien que le fait qu'il a vu un nouveau visage qu'il ne connaît pas, ça peut le rendre malade. Et c'est déjà même pour attraper la maladie. Pourquoi quand tu tendais la main tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas bon. Parce que pour attraper la maladie, pour eux, c'est rien du tout. Tu vois, donc on va partir, je vais t'accompagner. Je prends la température. Et après, on va se voir. Et donc, ça va les manières d'une Bengis. Non, c'est pas toi, c'est mon frère. Oui, mais comme je suis ta femme, non? Mais regarde, tu es ma femme où? Copain, copine, préliminaire. On n'est même pas encore quelque chose. Hey, Gatcho. On n'est que copain, copine. Hey, maman. Mais tu vas vite, même le TGV, c'est pas comme ça. Voilà. Non, oui. Pardon. Oui, je descends, je t'accompagne. Après, tu m'appelles quand même. Je prends la température. Et on est ensemble. Maintenant, sans seulement te comporter. Parce que maintenant que je dois vivre dans la vie du petit frère du Bengui, tu sais que je serai sensible à beaucoup de choses. Je veux pas que tu vois, non? D'accord, je vais bien me comporter. Ok, allons, il t'accompagne. Parce que le bruit là peut le rendre malade. Oui, moi et toi ensemble, non? On est ensemble, ouais. Tu sais que maintenant, comme je suis le petit frère du Bengui, même ma démarche doit évoluer, non? Oui, mais on est toi ensemble, non? Oui, mais on est ensemble. Regarde, ne me touche pas trop. Ah, ok. On est ensemble. Ma copine. Je sors de chez mon gars. De toute façon, tu sors toute souriante là. C'est quoi, il t'a promis le mariage? Laisse que le mariage. Le mariage, c'est quoi quand le Bengis est là? Le mariage, c'est quoi quand le Bengis est là? Quand quoi? Le Bengis, ma sœur. Hey, laisse. C'est qu'à partir de maintenant, il ne serait plus la même chose que vous, Issoka. Tu comprends, non? Ma vie vient de prendre un autre niveau. Élévation. Ma copine, attends, il y a ce niveau. Et que bientôt, tout ce que tu vois, c'est là, ça sera à moi. Et que ici, donc quand on va me voir passer, on va savoir que non, c'est ma maison, c'est moi qui donne les ordres, on va m'appeler madame. Et puis garer ma voiture là. Bientôt, même les mèches du que je porte, c'est là, ça va finir. Toi, il faut que je chante ta grève, c'est là, c'est à trop du maman. Iki! Tu as pas honte de marcher avec ça? Ouais, Asia. Ouais, j'ai mais le bonheur arrive, le bonheur arrive. Bon, comme je te disais, le Bengiste, c'est quelqu'un qui respire l'argent. Quand tu le vois, tu sens que voilà l'argent là-bas. Tu comprends, non? Ne regarde pas trop, c'est notre maison. Et te dit, mon gars, tu vois un peu, non? Un membre de sa famille. Moi, qu'est-ce que je dis même? Un membre de sa famille. Son oncle direct. C'est-à-dire que quand son oncle est là, lui, il est là. Tu vois un peu, non? Et quand l'oncle lui-même est Bengiste, ça veut dire que mon gars aussi est Bengiste. Et si mon gars est Bengiste, moi, je suis Bengiste. Hein? Et te dit, ma vie va changer, je te jure. Pardon, jusqu'à cet extrême, jusqu'à ce niveau.
Ma chérie, c'est le niveau, c'est l'élévation, le niveau est élevé. Tu comprends un peu, non? Donc, ça veut dire que j'ai atteint un niveau où, si je me rabaisse ma parole avec toi, c'est parce qu'elle t'aime beaucoup et te considère. Ah, la femme du Benguiste. Bon, ma chérie, il faut que tu te laisses. Faut pas que je me mélange trop à toi. Bye bye. Ouais. J'avais demandé aux enfants si c'était pu mettre les babouches ici devant la porte, non? Oh. Qui va là? C'est ce qui ça? Oh. Ah. Oh. Qui je vois là? C'est pas croyable. C'était toi? La sorte de qui? Oh là là! Ah, t'es. La grande sorte de qui? Mais tu crois que c'est toi-même? C'est moi. Les sorciers marchent dans la journée? Eh ben c'est bien ton frère. Regarde, regarde, fais bien voir. Aïe, 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 aïe. Ah, toi tu es là. Comment tu vas? Ça va, ça va. Il fallait que je rentre au Cameroun et tout. La sœur de qui? C'est toi. La sœur de qui? Toi. Oh là là. Ma grande sorcellerie. Ah, mon petit péché. Oh là là. C'est vas-y, installe-toi. Ah. Les autres là, ils sont où là? Les enfants de cette maison. Ah, ils sont là, ils sont là. Oh là là, c'est comment? Je vous plais, mon docteur. Merci. Oh là là, mais quand tu lui dis, c'était parisienne. Ma soeur de parisienne, c'est parisienne. Moi aussi, mais ça gêne pas. C'est comment, Judas? Tu es tout dedans dans le téléphone, non? L'enfant sert le téléphone. Hein? Salut, maman. Ça va, mon fils chéri? Sinon? Nouvelle raconte. Ah, nouvelle. Seulement le décès de papa. Quand papa a pris l'annonce de ta mort sur les réseaux sociaux, il n'a pas supporté. Du coup, son cœur s'est arrêté. Non. Oh, papa. Papa. C'était un homme très fort. 75 ans, il est encore jeune. Il a eu toute sa vie. Papa. Tu sais qu'il a vendu la seule maison qui nous restait pour te faire partir en Europe. Je sais. Et du coup, ça n'a pas été facile pour lui. C'est pour ça qu'il est parti. Et c'est la seule chose qui lui restait sur cette terre. Vous avez me fait pleurer. Vous avez me fait pleurer. Ah, papa. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Ils ont raconté du gros n'importe quoi, je te jure, je te promets. Oh papa, mais je suis là. Oncle, oui. Moi je pense que de l'endroit où se trouve grand-père, lui, il serait plutôt content de savoir qu'après lui, on a eu une vie paisible, qu'on avance. Parce que, oncle, il faut que je te dise la vérité. Depuis ton départ, ça fait déjà 2 ans de cela, comme on ne parvenait plus à te joindre. Notre vie est en mode statue padée. Non. Rien ne bouge. On est statique. Regarde, tu ne t'es pas rendu compte que quand tu allais te laver là, tu as trouvé l'eau que dans la bassine. Oui, je veux dire. J'ai puisé ça qu'au puits. Ça fait 2 ans qu'on nous a coupé l'eau. Même, tu as vu tout à l'heure quand tu as dit que allume et tout, j'étais obligé d'aller mélanger les fils pour pouvoir allumer, non? On a que le son loulou ici, hein? Le son loulou, c'est quoi? Ah, toi, tu vis en Europe, tu ne sais pas ce que c'est. C'est le vol d'électricité. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on est obligé de ne pas brancher ça en journée parce que les contrôleurs passent. Ils peuvent savoir que nous, on vole. Ah, ça, c'est dangereux, ça. C'est en soirée à partir de 18h. Donc, ma soeur, tu vis dans cette spirale-là depuis? Depuis, papa. Depuis. C'est pas vrai. Neveu, c'est ça votre quotidien? Regarde la télévision qui était là pour 12 000 francs. 12 000 francs. Un jour, on regardait un film là, un type là où la balle qu'il avait tirée là, c'était sorti, je ne comprends pas. La terre a fait paf! Eh ben, écoute, c'est très dangereux ça. Hein? Dès demain, ok? Tu vas déjà aller à la compagnie d'électricité là. Hein? Hein? Prendre un nouveau compteur, comment vous appelez ça? Prépayé. Voilà, hein? Comme ça, hein? on sera à l'abri de toute cette magouille à la con là. Et après mes 15 ans des îles, je ne pouvais pas rentrer comme ça, on est d'accord. Je ne voulais pas aussi lui dire comme ça, mais... J'ai mis 40 containers dans le bateau. Hein?
Alors, on attend. Statue pas des. Stop. Play. Combien de conteneurs? Ah, mais j'ai mis 40 conteneurs. C'est parce que, en plus, même, il n'y avait même pas d'espace. Hein, quand je suis allé au port, le bateau était tout plein. Ils m'ont dit, bah, monsieur Moinard, on peut que prendre 40. J'ai mis 40 conteneurs. 1, 2, 3, 4, 40. Au Bané Nangwe. Attends, il y a quoi dans les conteneurs là? Oh, dans les conteneurs, le premier, il y a ma nouvelle Mercedes. Ma Ferrari que j'ai achetée à Londres. Bon, il y a pas mal de choses. Et tu sais, tu m'avais demandé une voiture là. Oui. Dans le deuxième, il y a une RAV 4, une RAV 9. Bon, en fait, il y a une voiture pour toi. La RAV qui vient, je prends, papa. Tant que ça ne me rafle pas, je prends. Voilà, je sais pas, tonton. Je t'avais envoyé des messages. Je t'ai demandé aussi une moto. Oui. Parce que j'ai des difficultés pour payer le transport pour aller au campus. Ah oui. Dans le quatrième conteneur, il y a 5 motos. Combien? Oh, j'espère que tu vas pas prendre les motos là pour aller jeudi à la fête sur la route. Ah ben ça c'est vrai, en plus c'est vrai. Hein? Pour ça j'ai pensé à te ramener un casque aussi. Merci tonton. Bon, tonton, dis-moi un peu. Est-ce que tu t'es arrangé à ce qu'on ne dise pas après qu'il y a crevaison? Parce qu'on veut le bateau pour faire crevaison. Il n'y a pas de crevaison dans les bateaux. Oh, ouais, si vit en Afrique, il ne connaît rien. Bah écoute, je vais te dire. C'était au millimètre près tout le temps que j'ai passé au port. J'étais là, j'ai vu l'embarquement de tous ces conteneurs. Et je peux te rassurer que dors tranquille. Hein, ça va arriver au Cameroun, incessamment, dans pas très longtemps. On aurait tous les conteneurs au Cameroun. Tu sais que quand tu es d'abord entré, j'ai dit, hey, mon tonton vient avec un petit sac, comme si il venait seulement jeter un caillou pour repartir. Ou c'est comment? Alors que les vrais benguistes ne viennent jamais avec les bagages. Le bagage reste par derrière, béni. Ma soeur chérie, je sais que tu me regardes. Hein? Je vais chez toutes tes flûtes, de toute façon. Je sais que depuis mon absence, les gens t'ont manqué de respect. Les gens t'ont sous-estimé. Les gens t'ont parlé n'importe comment. Pendant ces 15 ans des îles, ma sœur, dès aujourd'hui, tu seras une nouvelle femme. Hein? J'ai pensé à toi, j'ai... Dans le conteneur, j'ai 20 pieds, uniquement de marchandises pour toi. 20 pieds. Ah, pour moi. Ma sœur, le mixeur. De rien. La sœur du Benguiste. Ça arrive, un petit fléchier. Chaque Camerounais sérieux doit avoir un Benguiste dans sa famille. Pas n'importe quel Benguiste. Un Benguiste à la Moana. Ma sœur chérie. Mon petit fléchier. Blap. Mon ami, c'est quoi? Il y a quoi? Il dit, depuis que tu cherches, c'est quoi? Tu me cherches, je suis quoi? Un wanted? Mon agent est où? C'est quel agent que tu parles? C'est quel agent que tu parles? 4000 francs! Regarde comment tu hurles mon nom au quartier, blague. C'est le nom d'un chien. 4000 francs? Depuis 3 mois? Il dit, c'est quelle façon ça? Tu sais, c'est quel manque de respect ça? Tu cries mon nom pour 4000? Ça, c'est le troisième rendez-vous, hein. Tu me tournes comme le ventilateur. La mauvaise éducation. Non, je comprends que l'environnement dans lequel tu sors, vous ne connaissez pas ce que l'éducation, le respect de l'autre. Tu traverses les mâts, tu viens à l'endroit où il y a les immeubles, tu cries à haute voix, tu ne sais pas que c'est un quartier reposant. On ne va pas à haute voix ici. Et quand une grande maison comme ça, mettez-moi mon bouquet ici, là, mon frère. Vous tournez jusqu'à vous mettre le câble de 4000. 4000 vous dépasse. Mais la République, si nous mélange, hein, tu sais que c'est le pays qui nous mélange, non? C'est le pays qui fait qu'on se retrouve comme la brocante. Sinon, en réalité, je peux parler, tu parles. Je peux être quelque part, tu es là. On n'est pas de la même classe sociale, mon ami. Je vais te dire, tes 4000 francs te seront payés avec les intérêts. Je vais t'ajouter l'assurance maladie, l'assurance santé. Je vais te payer avec tout ce qui va avec. Le nom qui est arrivé, c'est parce qu'il est en train de vouloir régler ses petits papiers pour le port. Dès qu'il règle ça, je te paye l'argent là, la honte va te ramasser. 2 semaines. Mais sache que dès que j'ai fini de payer là, toi et moi, on peut marcher ensemble. On n'est pas de la même classe sociale. On ne peut pas, c'est pas possible. Je ne peux pas vouloir envisager l'Europe et puis je me retrouve là avec toi. Tu sais,
On dit, dis-moi avec qui tu m'as, te dire qui tu es. À travers tes amis, on te connaît. Moi, je veux pas ce sujet-là, regarde. Regarde-moi, regarde rien que ma classe vestimentaire. Regarde-toi. Il dit 2 semaines. 2 semaines. En tout cas, moi, je te donne 1 mois. Et si tu me donnes mon argent, tu vas voir. N'importe quoi. Grande maison comme ça, 4 000 vous dépassent. Alors, neveu Judas, ça va? Ah, mon tonton, si je t'ai dit que ça va, c'est que je t'ai menti, tonton. Alors, quoi donc? Tonton, je croyais t'en avoir parlé. On cause tout le temps via WhatsApp, je t'ai fait des textos et tout, par rapport à la maison. Je t'ai dit qu'on a reçu récemment des sommations venant de l'huissier du bailleur. Je m'en souviens pas, hein, tu sais. Écoute, j'ai beaucoup de choses dans la tête avec les nombreux voyages entre Paris, Lyon, Bruxelles, New York, Los Angeles. J'ai pas le temps, je me rappelle pas tout. Oui, mais tonton, il y a de cela déjà. Quand c'était à la 3e année, je t'en avais parlé. Tu nous as dit de ne pas nous inquiéter, que tu allais faire le nécessaire. Mais jusqu'à présent, on est déjà à 5 ans, tonton. Il y a de quoi m'inquiéter. J'arrive même plus à me concentrer quand j'étudie, tonton. Donc, on est menacé de quitter ce logement. Écoute. Comme je te l'avais dit que... Dis-toi que c'est réglé, hein? Hein? Je te l'avais dit quand j'arrive, les cinq années impayées, je vais régler aussi facilement, rapidement, et comme ça, tout va revenir en ordre. Attends, je vais devoir, si ce pas, appeler mon banquier, M. Fouchette, depuis Paris. Mais appelle même Mme Lalouche, tonton. Tu sais, j'ai même une autre idée. Vu que vous vous plaisez, je pense qu'on va leur racheter cette maison. Jean, racheter la maison, ça nous appartient, on ne loue plus. On va pas surtout rentrer dans votre quartier là, comment ça s'appelait là? Bilongue. Oui, mon assurance, même nos pauvres plus. On a trop souffert là-bas, tonton, oh, la Hesse, comme vous dites chez vous. Je me rappelle. On va surtout la racheter, surtout pour ma sœur, hein. Parce que ma sœur, elle est tout pour moi, hein. Depuis, on a grandi ensemble et on est inséparables. Hé, hey, oh, banane angwe, tonton. Allô? Oui, alors monsieur Lafouchette. Oui, monsieur, c'est monsieur Mona, hein? Oui. Bon, non, mais écoute, quand je t'ai dit que je venais en vacances en Afrique et tout, avec tous ces problèmes, tu sais, c'est pas très évident ici. Oui. Je me trouve dans un dilemme là, hein? Oui, un petit problème de famille. Enfin, c'est déjà réglé, hein? Écoute, envoie-moi, fais-moi un virement sur mon compte short là, rapidement. Pas beaucoup, hein, 150 000 euros. Juste pour les 2 semaines, question de régler 2-3 petits problèmes, et je vous reviens. C'est comme si c'était déjà fait. Oh, monsieur Fouchette, j'ai super confiance en vous. C'est pour rien, c'est pas pour rien qu'on est, on est aussi assez fidèles depuis très longtemps. D'accord, merci. Hein? C'est parfait. Écoute, dis-toi dès aujourd'hui, on est propriétaire. Hein? Merci, tonton, tu es notre messie. Non, de rien. Ce quartier, c'est notre petit coin de paradis. Non, de rien. Je sais pas, là, François, oh là là. Regarde, écoute, neveu. Moi, je j'ai pas le temps, hein. Je vais sortir. Là, j'ai même pas de monnaie. Tu as 2000 francs avec toi, là? Je vais prendre. J'ai pas de monnaie. Tu as 2000 avec toi, là? Même les transports, voilà. C'est pas grave, donne-moi, j'ai pas de monnaie. Hein? Je vais. Tu as vu tout à l'heure, j'ai appelé le banquier. Hein? C'est un truc qui est. C'est bon. Ouais, chérie, vas-y. Dépêche-toi, fisson. J'ai pas le temps. Hein. Hey, chérie, je te jure que Dieu est merveilleux. Tu sais que quand je voulais partir là, mon cœur a dit non, rentre. Donc, non, en fait, Dieu est en train de me parler quand je descendais les escaliers, net au moment où ton oncle est arrivé. Ma chérie, c'est le niveau, c'est l'élévation, le niveau est élevé. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est-à-dire que j'ai atteint un niveau où, si je me rabaisse ma parole avec toi, c'est parce qu'elle t'aime beaucoup et te considère. Ah! Ma copine! Tu es venue ici là quand? Je t'ai même pas suivi marcher, mon frère, tu es le fantôme. Tu viens m'embrouiller dans un beau rêve que je suis en train de faire. Tu fais quoi là? Je suis venue un peu m'aérer l'esprit, ouvrir mon esprit à accepter la nouvelle moi que je suis et être un peu en connexion avec la nature. Au champ,
J'ai dit nature, nature. Hey. Tu sais, quand tu es destiné à quelque chose, et quand quelque chose est pour toi, dès que la chose te frôle seulement comme ça, là, ça révèle la vraie nature de, que tu avais depuis. Tu vois un peu, non? Attends un peu. À peine ton beau est arrivé au pays, tu te comportes comme une benguiste. On dirait que, hey, c'est lui le benguiste, c'est pas toi. Hein? Ma chérie, je suis une benguiste dans l'âme. C'est quelque chose que je suis depuis, c'est inné, tu vois un peu, non? Je suis une benguiste, ma chérie. Je suis là pour prendre, me connecter avec la nature. Ok, en parlant même du benguiste, là, maman, tu peux me tchouquer le type là. Tchouquer comment? Tu veux le beauté? Connecte-moi à lui, non? Mais mets-nous en contact, non? Connecter, c'est quoi? C'est le réseau sans fil, c'est Bluetooth, MTN, Orange. Connecter comment? Je ne comprends pas. Branche-nous, non? Tu ne comprends pas quoi? Tu veux pas là dire que tu ne comprends pas quoi? Moi, je ne comprends pas. Brancher quoi? Tu es quoi? Tu es un appareil, tu as le DVD, tu as le CD, tu es quoi? Tu te branches quoi? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Explique-toi bien. Déjà parce que la manière dont tu t'exprimes, on comprend que tu n'es pas une fille qui est appelée à marcher avec un benguiste. Regarde ce que tu utilises comme thème. Tchouk, branche, contact, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Désolée ma chérie, mais si c'est ce que je pense là, ça peut pas se faire. Ça peut pas. Tu peux pas marcher avec le benguiste. Et si je fais ça, c'est parce que je t'aime, hein. C'est parce que je t'aime. Parce que imagine un peu avec ta façon de te comporter là. Les mots qui sortent de ta bouche, c'est-à-dire que tu vas te faire humilier. Il ne faut pas qu'arriver au milieu là, il commence à faire des choses de grandeur. Toi, tu es incapable de suivre le rythme, donc... Attends, tu sors avec le neveu et non l'oncle. Laisse-moi dans l'oncle, moi. Pourquoi tu veux t'accaparer aussi l'oncle? Tu sors aussi avec l'oncle. Je ne peux pas te donner mon beau oncle, désolé. Je t'ai dit que c'est parce que je t'aime. Et comme toi, je t'aime, je ne veux pas que tu t'humilies. C'est quoi? On va vous aimer comment? On va vous aimer comment dans le pays ici? Je peux te donner mon oncle, désolé. Hein? Toi, tu es là, tu peux venir carrément pour prendre l'oncle. L'oncle, pourquoi? Va chercher ta page sur Facebook. La fille si est sérieuse là. C'est quelle méchance. Donc le degré de noirceur de cœur dépasse même sa peau. Dépasse même la babouche qu'elle a sur ses pieds là. Elle est égoïste, tout pour elle, rien pour les autres. Une grosse maison comme ça. Que si moi-même je viens, je prends l'oncle là, ça va faire quoi? Est-ce qu'elle sort avec l'oncle? Dans tous les cas, je vais le retrouver. Coûte que vaille. Bonsoir, voisin. Bonsoir. Il y a quoi? Vous voulez quoi? Je suis votre voisine d'en bas. Ça fait environ 6 mois que je suis là. Et ça fait quoi? Si vous êtes là, ça fait 6 mois. C'est quoi le problème? Je suis juste venue me présenter. Question de se connaître. Alors, vous vivez ici depuis 6 mois dans le même immeuble que nous. Vous n'avez jamais trouvé utile de venir faire connaissance. Et aujourd'hui, vous levez, vous êtes venu faire connaissance. Non, voisin, c'est pas ça. C'est que 1 an, 6 mois. Mais censé, c'est qu'on se connaisse, non, papa? Mais c'est vraiment quoi cette histoire? Vous êtes en train de faire comme si vous scanniez que la maison. Vous cherchez quoi? Vous êtes une voleuse? C'est que j'ai vu, vous avez reçu un visiteur là. Oui. Je suis venue voir aussi si je peux le saluer, non? On ne sait jamais. Ah bon? Donc, comme tu as appris que le benguiste est venu, maintenant tu es venu te présenter. Alors que depuis 6 mois, tu es là. Ma chérie, sache que le rythme de vie, le système de vie de benguistes, ça contamine comme la maladie. Moi-même, je vis déjà comme eux. Les voisins benguistes ne se côtoient pas. Donc, restez où vous êtes. Vous nous laissez où nous sommes. Les benguistes, ça se repose. Hein? Vous comprenez? Il est en train de se reposer. Comment il me ferme la porte comme ça? En tout cas, nous sommes dans le même milieu pour notre vie. Oh, mais où ce Black là? Il n'y a même plus pas d'entre-fils. Hé hey Black! Mon neveu! T'entends? Ouais! Hey, dépêche-toi là, t'es où là? Oh. Ça va? Ça va. Ouais, tout à l'heure, je voulais prendre ma douche, là, profiter pour me brosser les dents. J'ai remarqué qu'il n'y avait plus de pas d'entre-fils. Oh, tu n'as pas vu un plastique blanc là? Quoi ça? Un plastique au-dessus d'une petite boîte. Ouais, oui, j'ai remarqué, oui. C'est la sangle. Ça avait ça. Et c'est efficace, c'est oncle.
C'est efficace parce que ça tue tous les microbes et tout. Attends, t'es pas sérieux? Tu vas me demander le truc de feu de bois? Oui, on utilise ça comme la bicarbonate. Donc en même temps, ça te nettoie même quand tu avales une cassette. T'es sérieux? Je vais quand même de Paris, moi. Hé, hey, bats-toi comme un homme, trouve-moi une patte d'entrefice, ok? Le problème, c'est que l'argent... Mais tu sais que je viens d'arriver, j'ai pas encore changé. Hein, je fais comment, moi? Hein, bats-toi, vas-y, neveu, vas-y. J'ai déjà pris un crédit, alors. Oh, ben, comme tu veux, vas-y, bats-toi. Hein? C'est pas possible. C'est quoi ce neveu, là? Bon, je m'en vais au marché. Oui. Bonne journée à toi. Compteur, ça tombe bien. Écoute, j'ai... Tu sais que les containers ne sont pas encore arrivés, on est d'accord. Ils sont encore dans l'eau. Ils arrivent dans pas très longtemps. J'ai quelques petites difficultés. Hein. Je voulais que tu essaies de me dépanner un petit prêt de... C'est pas grande chose, hein. C'est pas grande chose. Tu voulais combien comme ça? Oula! Quand je te demande un petit prêt, c'est juste pour m'attraper les poches. C'est pas grande chose. 200 ou 300 000, c'est vraiment pas grande chose. 200 ou 300 000, papa? Bah oui. Eh non, c'est beaucoup. Quand moi, je fais ma part de prêt, ça ne dépasse pas 15 000. Hein. Ah bon? Au trou, oui, au trou, c'est 20 000. 200 000, comment? Écoute, mais je te dis, ma grande soeur, écoute-moi. Tu es consciente que j'ai ramené des trucs par le bateau. Je sais. Des containers. Oui, oui. Mais attends, 200 000, 300 000, 400 000, c'est rien, ça, pour ton frère. Hein? Tu crois pas en ton frère ou quoi? Hein? Ma grande soeur! Mon petit frère chéri, oui. Je veux voir la trésorerie de la Réunion. D'accord. Si elle accepte mes données, cet argent, je vais te donner ça aussi. Écoute-moi, même s'il faudrait que je mette un peu quelque chose dessus lors du remboursement, un petit intérêt, t'inquiète pas, c'est ton petit frère chéri. Ma grande soeur! Mon petit frère chéri! Oui, la grande soeur de qui? De toi! La grande soeur de qui? De toi! Écoute. Comme tu vas au marché là, fais-moi ton mec que tu sais. Je connais ton goût, non? Le contraire. Le contraire. Le contraire.